Bonjour et bienvenue sur la chaîne DB Bois. Cette semaine, on s'occupe de l'aspiration sur ma raboteuse Métabo. Bien, pour l'aspiration de cette raboteuse, des copeaux de la raboteuse. Alors j'ai eu pas mal de commentaires, à chaque fois vous me le dites, ah là là, l'aspiration, c'est vrai, ça va pas du tout. C'est une super machine. Ça fait le job, ça rabote très bien, c'est lisse, vous verrez tout à l'heure. J'en suis super content. Par contre, l'aspiration, ça marche pas du tout. Je sais pas ce qu'ils ont foutu, mais pour moi, ça va pas. Je mets mon aspirateur cyclonique là à l'arrière, j'y vais, je passe mes pièces, mais au bout d'un moment, ça s'accumule, ça s'accumule. C'est pas assez. Alors, je sais pas s'il n'y a pas assez de débit ou quoi, mais bon, les copeaux ne sont pas aspirés tout naturellement. Ils ont mis ça sur le côté, c'est pas mal, le tuyau, mais moi je vais pas faire du tout la même chose. Là, le tuyau est sur le côté, il nous gêne pas. Moi, ce que je vais faire avec vous, c'est on va fabriquer un système d'aspiration qui viendra capter les copeaux ici, et qui, il y aura une buse ici, et il viendra aspirer l'ensemble de ces copeaux par cette buse. Allez, on fabrique ça ensemble. Alors, avant toute chose, je vais vous faire voir deux, trois trucs, parce que je voulais remplacer cette pièce ici, mais en fait, elle a quand même son utilité. Faut pas croire, ça pousse les copeaux. Vous allez comprendre pourquoi. J'ai démonté les fers et on va les remplacer ensemble rapidement. Et après, on s'attaquera à l'aspiration. Donc, bien sûr, on desserre ces deux vis-là. On vient ici retirer le carter. Et on a accès. Là, ils sont démontés. Les fers sont ici. Et en fait, ce qu'ils ont fabriqué, c'est qu'avec la turbine du ventilateur du moteur, donc il y a la ventilation, il y a le moteur, il y a une turbine dedans hein, qui permet de refroidir. Mais en même temps, ils l'utilisent pour envoyer de l'air dans cet ensemble ici, vous voyez, envoyer pas mal d'air, ce qui fait que les copeaux sont vraiment bien éjectés. Ils sont aidés par l'air du moteur. Ça, c'est pas mal. Je sais pas s'il y a ça sur les autres machines, mais là, franchement, ça, c'est bien. Donc, moi, ici, je vais remplacer déjà les fers, et après, on viendra fabriquer ici notre système d'aspiration.
Bien, bon, ça y est, ce projet est maintenant terminé. Comme vous pouvez voir, ça rabote nickel. Là, les fers sont neufs, donc bien sûr, l'état de surface, c'est nickel. Donc, vous avez vu, j'ai fait des passes. J'ai commencé par 0,5, 1, 2, 2,5 mm. Je suis allé jusque 2,5 mm de passe. Vous avez vu, ça aspire super bien les copeaux avec mon aspirateur classique. Moi, j'ai mis un diamètre de 80, comme ça, au moins, je pourrais faire une centrale plus tard qui aspirera dans tout l'atelier. Ici, j'ai mis une plaque. J'ai mis une plaque transparente pour voir quand même les copeaux, pour voir comment ça va évoluer et voir si j'ai pas de bouchon à un moment donné. Cette plaque, c'est du PETG. Je vous mettrai le lien de toute façon dans la description, juste en dessous. Et bien sûr, pour réaliser cette aspiration, bah, je vous mets le plan aussi, juste en dessous. Moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous rappelle le nom de la chaîne DB Bois. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, vous abonner. Enfin, vous savez tout ce qu'il vous reste à faire. Mais le plus important, prenez soin de vous. Allez, à la prochaine. Ciao.